Rochette qui était malade, puis il est revenu en journée. Ouais. C'était fucking plié. Je reviens de voyage. Hein? Go! Ouais, non, mais c'était ça? Genre. Je sais pas, j'étais pas là pour cette édition là, je pense. C'était la. Ben là, on l'a gardé, c'était bien là. Clairement in view là. Les spells? Je peux je suis pas mal sûr que je l'ai, fait que je peux juste moi te le rajouter. Les amateurs. C'est-tu le dude qui a fait un review avec avec Colby? Non, pas Trent Monk. Non, là, c'est D&D Shorts. C'est D&D Shorts, ça? Ouais. Okay. C'est le type de personne qui est comme, check ce que tu peux faire, bien, tu peux faire 1000 de dégâts. Étape 1, être un wizard level 20. Ok, sure. Mais là, c'est comique, là. Puis là, c'est le genre de personne dans ma tête, là, c'est le genre de dos qui a des filets de barbe. Tu sais, ils vont faire. Je l'ai, Guardian of Nature. Je peux te le mettre. Il faut juste que tu me dises quel spell tu vas enlever. Ah non, c'est correct, je vais faire tout ça pendant qu'on y pense. Pendant, c'est ça. T'sais, le combat est fini, à moins que tu. Je casse Garden Nature! Ok. Non, j'en connais pas de bonnes.
tu veux revenir soit Cold Lightning, soit Ice Storm, tu ne seras jamais les deux dans un même club. Ouais, c'est vrai. Genre ça, ça va être un peu Cold Lightning, tu portes les gars. Parce que Cold Lightning a du bon dégât pour eux, indépendamment de combien de temps tu casses. Dans Ice Storm, tu peux maxer le damage de glace. C'est genre 24 de damage. Tu peux maxer le damage de glace. Ouais, mais tu ne l'as pas équipé. T'as pas quitté le kit. Parce que j'étais en train de checker tes spells, pis j'étais comme, pourquoi t'as pas le spell qui est donné par le cristal de glace? Oui! La dernière ligne qui dit, additionnellement, le cristal permet de lancer le sort. Rhymes Binding Ice. Non, mais c'est ça, c'est parce que t'as pas le cristal d'équipé. Non, mais là, il est équipé. Ok. ça se peut qu'il soit dans tes level 4. Ah, t'as pas fait le Atonement. Celui-là, il fait exclusivement du dommage de glace aussi. Ouais, c'est ça, c'est qu'il y a des, il y a des trucs de sport. Ça fait des années que tu vas pas ouvrir ça. Ça marcherait bien sur les grilles en plus parce qu'il n'y a pas de plus d'or. Pas le monde noir qu'on voit pas les chiffres. C'est censé être genre des dés LED. Non. C'est des dés faits avec de l'obsidienne. C'est des dés edgy. Parce que tant qu'à ça, au début, je pensais que c'était des dés LED, c'est pas chargé. C'est bon pour genre quand tu fais des fights ou est-ce que le monde casse Nightingale, Firefire, oh my god! Ça c'est. Je pense qu'on en a jamais vraiment reparlé de cette situation-là, mais c'est une situation que Dom et moi on a jasé, genre, vraiment beaucoup parce que les règles ont pas de sens dans ce jeu-là.
puis genre comment les règles sont écrites, il y a des erreurs ou en tout cas il y a des non-sens, genre blinded, comment c'est écrit, ça dit tu as des avantages sur tes attaques et tes adversaires ont avantage contre toi. Ça, c'est la condition blinded. Oui. Sauf que en même temps, tu as une autre fonctionnalité dans le jeu qui est Unseen Attacker, qui est fait attaquer par quelqu'un que tu ne vois pas. C'est ça la mécanique qui est utilisée par les rogues, mettons, quand ils se cachent. Fait que ça te donne avantage sur l'attaque. Sauf que Blinded, c'est pas Unseen Attacker. Puis, t'as un truc dans le jeu qui s'appelle Blind Fight qui donne Blind Sense. C'est-à-dire, tu vois même si t'es aveugle. Mais Blinded, si t'as Blind Fighting et t'es Blinded, ton Blind Fighting te sert à rien. Parce que la condition Blinded te dit tu as des avantages sur tes attaques et tes adversaires ont avantage contre toi. Ben, c'est parce que les deux sont pas compatibles. Parce que Blinded, ça dit pas tous tes adversaires sont considérés comme des Unseen Attackers. C'est pas ça que ça dit. Blinded, ça dit tu as des avantages. Si tu es blinded, tu as des avantages. Puis Blind Fighting te dit pas tu ne peux pas être blinded. Fait que tu peux avoir Blind Fighting puis être blinded pareil. T'as ouais. encore des avantages. Puis là, tu rajoutes là-dessus, parce qu'il y a plein d'autres affaires qui se rajoutent. Fairy Fire. Fairy Fire, ça fait que si la personne, si la créature est visible, elle ne peut pas bénéficier d'invisibilité. Fait que quelqu'un est invisible, tu le Fairy Fire, il redevient visible. Puis tout le monde a avantage pour l'attaquer. Il reste Fairy Fire. Par contre, si t'es dans une sphère de darkness, par exemple, comme il est arrivé tantôt, puis tu castes Fairy Fire dans la sphère de darkness, même si le monde se font pogner par le Fairy Fire, on les voit pas. Ils sont pas visibles. Même le monde à l'intérieur. Ils voient pas, fait que tu peux pas bénéficier de Fairy Fire. Mais, si t'as quelqu'un qui a Blind Fighting dans la sphère de Darkness, lui va avoir avantage contre les monstres qui sont pognés par Fairy Fire parce qu'il les voit. Il voit, entre guillemets. Il les sent avec son Blind Sense. Fait que genre... Sauf que... Non, sauf que... Sauf que... Sauf que... Sauf que... Sauf que... Sauf que... Si la personne dans Darkness, Fear is invisible. Ouais. Si la personne, t'as une personne qui a Blind Fighting, t'as une personne dans une sphère de darkness. L'autre personne est invisible. Là, soudainement, ça devient straight. Tout le monde est straight roll. Ouais. Parce que... C'est extrême, là, comme situation. Oh oui! C'est exactement ça qui nous est arrivé dans la game, parce que, genre, il y a quelqu'un qui a cassé Entangle, il y a quelqu'un qui a cassé Fairy Fire. Fait que là, il y avait un groupe d'ennemis Entangled, donc Restrained, avec Fairy Fire par-dessus. Puis il y a quelqu'un qui a casté Fog Cloud, fait qu'on voyait plus rien. Fait que le Fairy Fire servait plus à rien. Le Entangled faisait juste que tout le monde roulait normal, finalement. C'était vraiment weird. Parce que tout le monde avait avantage, tout le monde avait des avantages. Fait que... Personne avait Blind Fighting. Personne avait Blind Fighting, fait qu'au moins c'était pas genre. Au moins c'était pas comme. Au moins tu sais ton fighting style qui était pris spécifiquement pour ça. Je vais vous envoyer quelqu'un avec Blind Fighting, ça va être cool. Okay. Non! Non, je ne pense pas.
qu'à cette longue et ardue discussion sur blind fighting dans Darkness avec Fairy Fire. Ok, ouais, mais j'avais donné mes trois là. Le monde qui sont pas capables d'être sérieux, le monde qui sont trop sérieux tout le temps. Ben genre le monde qui sont comme. Ça rentre dans la catégorie genre méga edgelord là de genre. Ah ouais, mon personnage est vraiment cool. This genre. Is where what my parents died on. Ouais, genre. Si t'insultes mon personnage, ouais. Le monde qui a de la misère à séparer le jeu pis la réalité, pis genre. Prennent le jeu trop au sérieux finalement. Ça. Puis, il y avait un autre affaire aussi que j'avais dit. Trop sérieux, pas assez. J'avais dit un autre affaire. Trop sérieux, pas assez. C'est le premier que t'appelles ça. Non, je rappelle. Quelque chose. Bon, faut que je te mette Guardian. Spells. Lui, t'aimes pas? Moi, pour de vrai, je dirais qu'il y en a très très peu là, que je check. Ouais, mais c'est ça. Je check D4. Je trouve que je suis pas d'accord avec le groupe, mais c'est lui pour la meilleure partie. Ouais. Fait que c'est pas que je suis d'accord avec leur façon de jouer, mais que c'est great, c'est ça, il y en a plein, c'est L'autre que je checkais beaucoup plus que je check moins là, c'est How to be a great GM. Il est un gars d'Afrique du Sud, je pense qu'il est genre, je pense qu'il est à Londres. Ouais. Mais il est intéressant. Il y a des... Surtout au début là, quand j'avais aucune idée de ce que je faisais, il y avait des choses intéressantes à... J'écoute Level 2, j'ai pas aimé. Ouais. J'écoute comme récemment, genre. J'aime Jacob, mais genre, il faut comparer les rêves. Ben, j'écoute bien plus ses sketchs que ses analyses. C'est comme le genre de DM parfait pour quand on apprend que le jeu est dans ouais. Le sens où genre, qui suit pas Eric parce qu'Eric est pas ouais. Bon, ouvrir la feuille de Medellin. Ok. Deux temps de bateau. Ok. Donc, vous aviez fini le combat contre les deux navires marchands. Vous aviez tout juste éliminé le dernier, le deuxième capitaine, les matelots, l'équipage du navire de droite est complètement décimé. L'équipage du navire de gauche est en fuite, les survivants. Puis on avait terminé avec Erda qui avait commencé à s'adresser à un des matelots, justement. Puis tu l'avais fait en télépathique.
speech, right? Okay. But fait alors que tu t'adresses à lui, que tu mentionnes essentiellement rendez-vous ou c'est quoi tu me dis rendez-vous ou mourir, chose comme ça? Celui-là, il va te répondre, puis il va dire, nous avons failli à notre cause, de toute façon, nous sommes morts. Sans joke. Il restait un HPS de puis en voyant ce display-là, les autres survivants ont l'air d'accélérer leur mort. L'air relativement effrayé. Puis, Là, en fait, roule-moi donc un insight pour le fun. Ah. Go for it. Moins bon. Tu évalues que la réponse dans le groupe qui est en train de nager est pas égale. Ils ont pas l'air de réagir de la même façon entre les différentes personnes. Ouais. Là, la question, c'est que vu qu'on est plus dans l'initiative, est-ce que j'ai comme en train de voler par-dessus, genre? Ouais. Là, mon fly va arriver. Fait que, mettons les deux derniers rounds, il me reste 4 fly. Je vais grappler le dos, je vais le lever, je vais le sortir, je vais le mettre sur le pont. Celui que tu viens de. Ouais, parce que. J'aurais pas assez de temps de fly pour. C'est good. Aller comme. Interpeller les autres d'un vers un. Arrêtez de nager et de vous sauver. Mm-hmm. Lui, je vais le ramasser, je vais le passer le temps. OK. Les autres? Ah, il va commencer à mobile sang, puis toute trace de combat. Puis après, OK. Ça vient de l'île, il est là, c'est fuyard. Si j'avais comme. En sortant un bout de l'eau. Est-ce que j'ai vraiment une chance d'être attrapé? Tu vas essayer? Je vais sauter à l'eau, on va essayer de nager après. Ok. Est-ce que je roule le Phoenix pour le ground? C'est pas un challenge assez grand pour que ça vaille la peine. Oui. Je sais que t'as comme. T'as quoi, t'as plus 8, plus 9 en athlétiques, quelque chose comme ça? 23! Ouais, c'est ça. Comme, c'est pas un challenge que Ella aurait de la difficulté, fait que je pense que c'est correct, là. Ildrim, tu plonges? Tu plonges à partir de où est-ce que t'es en ce moment? Je pense que je t'apprends. Ok, fait que t'essaierais de pogner un. Ok. Ça va pas.
ça va pas t'empêcher de le faire, mais peux-tu me faire un jet d'athlétique pour voir, d'acrobatique, excuse, pour voir à quel point tu vas avoir de la facilité à faire le trajet entre les beaux prés? Yes. S'il y en a qui sont, il faudrait pas les laisser. Oh, oui. Ça. Okay, cool. Fait que ça. T'es à l'aise. Ça bouge pas mal moins que tantôt, là. Fait que tu réussis quand même facilement. Fait que tu piques un sprint, puis tu t'en vas jusque là, dans le fond. Puis tu plonges rendu là. Tu peux me faire un jet d'athlétique. Tu vas les rattraper avec aise. Il y en a plusieurs dans le groupe qui sont quand même blessés intensément. Fait que facilement, là, tu vas rattraper le groupe. Ils sont quatre. Ouais, il y en a un à bâbord. Hein. Ouais. Fait que le premier que tu rattrapes, c'est. On va faire un petit visuel au moins pour avoir une idée. Le premier que tu rattrapes, c'est lui. Je peux zoomer. Là, by the way, les images, c'est des stand-in un peu, là. Parce qu'il y a des répétitions, fait que... Donc, j'ai pris un orc, un half-orc, un genre Goliath-ish, puis genre un dude, fait que... T'sais... Celui que tu rattrapes, c'est lui. Attends, c'est quoi déjà? C'est Alzef, je pense. Ouais. Te rappelles-tu, Dom, le shortcut pour show players? Je peux juste aller chercher. Shift Z. Wow. C'est un dude quand même massif, backup. Ça, c'est le premier que tu rattrapes. Les autres, celui-là, il a de l'air. Il est vraiment particulièrement blessé. Il y a encore genre des champignons qui ont une partie de sa peau. Il y a genre des brûlures. J'essaie de me rappeler comme c'est quoi les trucs qu'il a mangé ce dude-là. Il y a. Je pense que c'est comme le. Probablement le Cloud Kill qui a fait le plus de dommages. Fait que tu sais, comme il y a vraiment genre des plaies. C'est pas mal le Cloud Kill qui a tout pété. Là. Fait que tu sais, il y a genre des plaies nécrosées avec des champignons qui poussent dedans. Puis il y a de l'air vraiment mal en point. Il y a de la misère à nager, qui explique pourquoi c'est la première personne qui t'a rattrapé. Les deux autres qui sont un petit peu plus loin, ils ont l'air. Les deux n'ont pas été blessés. Ils ont échappé au Cloud Kill. Fait qu'ils ont l'air relativement en pleine forme. Eux autres, ils ont quand même de la bonne vitesse. Fait que qu'est-ce que tu fais avec le premier doute que tu rattrapes? Non, on va essayer de dire retour du bateau, sinon on a une chance de survivre et de soigner. Donne-moi donc un jet. Retourne sur le bâton. Donne-moi un jet de persuasion. Je nomme son nom complet. 3 plus 4, ok. Ok. Il va. Retourne sur le navire maintenant.
Il va essayer de te grapple, en fait. Ok. Contesté, ouais. Il a roulé un 19. Oui. Son bonus, il n'est pas full élevé. 0,5. Mais quand même. Oh, non, c'est ça. Il a quand même plus 2 en force. Fait que, il réussit son grapple à 1. Puis. C'est juste un peu comme quelqu'un qui est en train de se noyer, dans le fond. Là. T'sais, un peu paniqué, puis t'sais, il est extrêmement blessé. Fait qu'il s'agrippe après toi, puis vous commencez à couler ensemble. Parce qu'il faut que je break le grapple pour qu'après ça, ce soit moi qui le grapple pour le tirer vers le bateau, genre. Ouais. Ouais, tu peux faire deux grapples en un round. On va essayer de briser le grapple. Mm-hmm. On va rage, puis on va essayer de briser le grapple. Ouais. 3, il crie, c'est pas dans le 4! Wow! Tu bats pareil. Il a roulé 3. Il est à bout de force. Genre, il t'a agrippé, c'était un peu son dernier souffle. Puis, Briser un grapple, c'est une action. C'est vrai. Briser un grapple, c'est une action. Tu peux pas le grapple. Mais t'as brisé le grapple. Ok, c'est une action search. Non, il l'a fait tantôt. Non, c'est le rate de. Fait que. Tu t'es fait du grapple, mais il continue à couler. Il est à bout de souffle. Je peux-tu juste retourner chercher le grapple de l'autre? Ouais, pis c'est ça, tu sais, il est en train de couler, fait que lui, il va pas être capable de le grapple. Ouais, c'est ça. Fait que tu réussis à le ramasser par le chignon. Tu le tiens. Ouais, les autres continuent à se sauver. Ça a été essentiellement deux rounds. Ouais. Celui que t'as sorti de l'eau? Ouais, pendant le round. Je pensais que tu l'avais noté dedans quand il était dans l'eau. Ok, c'est good. Je l'ai délité, tu vois. Ben, c'est parce que t'as fait. Non, ça c'était une joke. Ok. Je pensais pas que c'était une joke. Non, la joke c'était genre. On est déjà mort, en plus, j'étais juste comme. Quand il y a quel spell, je faisais. C'est pour ça que tu t'es montré qu'il y avait juste un HP, parce que comme. Non, on s'en fout un peu de ce que tu roules, il y a un HP. Genre. Ah, c'est good. Je le sors de l'eau. Oh, ouais, mais c'est ça, c'est parce que t'as fait la joke de je le tue, pis après ça t'as dit je le pogne pis je le sors de l'eau. Oui. Fait que c'est pour ça que j'étais comme, ok, tu sors un cadavre de l'eau. Tu sais, dans ma tête, c'est genre, tu sais, tu veux checker s'il y a quelque chose d'important sur lui ou quoi que ce soit. C'est correct. Non, c'est correct. Cool. Fait que ça, eux autres continuent à nager. Mais est-ce que je veux dire, fait que là, les autres là, j'ai dit, les brins vont pogner ben. Les autres. Puis là, les brins sont dans l'eau. Elle n'a pogné un. Ben. Et mon plan, c'est. Je suis là, tu es knock out. Okay. Sur le pont. Ouais. Fait que là, il est knock out. Ouais. Là, Scarius, il y a deux hommes là-dessus. Ouais. Fait que, Scarius, c'était quoi ton plan? C'est ça. Ok. Avec la boîte. Ok. Oh, ouais, t'as 30 pieds. Quand on joue en pseudo initiative en ce moment-là. C'est ça. Sorry, Mr. Ah, I don't like it.
3 de damage. Je peux te... Je vais t'en power pack. On va généraliser. La bête belle à bras. Avec ton 30 pieds de mouvement. Puis mettons, genre, tu fais juste te pitcher dans l'eau. Mettons, non, mais. Mettons. C'est ça, tu sais, on garde les options. Ah, t'as dit. C'est quoi le range de. Pas du temps. C'est... Non, mais c'est 120 pour créer l'orage, puis après ça. L'orage, c'est genre 60 pieds. Fait que Call Lightning sur les deux qui restent. Je vais leur donner des avantages sur leur deck save parce qu'ils sont dans l'eau. Puis, et voilà un 2 et un 20. Des avantages. Le deuxième, petit peu, j'ai 13, ça monte à 17. Celui à gauche, on peut fouiller. Il y en a un des deux qui s'est frappé directement par l'éclair. Il a l'air de convulser dans l'eau et il peut juste commencer à couler. L'autre, c'est plus du dommage collatéral, mais c'est moins pire. Fait qu'il y en a un qui coule, l'autre est. L'autre, c'est. Là, c'est 6, 6, puis fait que 22. Ben, il réussit pas. Fait qu'il se prend l'éclair en pleine tronche. Non, c'est... Ouais, c'est ça. C'est au moment où tu casses le spell, y a-t-il une tempête présente? Oui, non. J'avais établi que si tu castes Call Lightning une deuxième fois rapidement, techniquement ton orage est probablement encore là. Tu castes le niveau 3, tu donnes ta concentration, le deuxième éclair que tu fais tomber, le dos survit. Le deuxième? Ouais. Attaché le prisonnier. Son avantage. Oh, ouais. Avec, tu sais, il aurait monté sur le pont depuis son grapple. Là. Ils sont maintenant sur le pont avec le. Ouais, c'est lui. Il a reçu deux éclairs qui est encore en vie. Lui, il n'a pas été blessé encore.
Yes. Ben, beaucoup moins difficile que tantôt. Vous n'êtes pas en train d'aller full good. Ça a été plus dur. Ouais, t'es chaud. Équilibre. T'as le pied marin, ça va. Ça fait sens. Ouais. Techniquement, oui, mais en même temps. Mécaniquement. Hein? Mécaniquement, non. Narrativement, oui. Spécialiste de la nature. Ça va, ça. Long. Le prochain round. Ouais. Ildrim, tu continues à nager vers le bateau avec le dos. Ok. Les voiles sont brisées, fait qu'ils avancent plus vraiment. Puis l'autre bateau, il est en train de faire des perniers, puis les perniers ont jeté le. Donc, c'est ça, bouge. Ok. Scarius? Ben, il reste deux, il y en a un qui est rendu quand même relativement loin, puis le deuxième est là. Celui à gauche est là, dis-je m'en occupe. Ok. Natural one! Ça! On va prendre son full damage. 5. Il est encore en vie. Il ralentit vraiment beaucoup, mais il est encore en vie. C'est clair, il tombe dans l'eau, il y a genre des gerbes d'eau salée qui volent, genre de la vapeur. Ella? Ouais. Ok, ouais. Ouais, ça? Ouais, ça marche. 15 minutes. Jusqu'à toi. Ok. Il lève dans les airs. Il y a maintenant un culot qui m'accrochait, il essaie de s'accrocher genre pour sa vie ou genre pour en bas, tu vas couler avec moi. Je vais te rendre de rouler, là, même si c'est arrivé dans l'action. Tout. C'est dur de voir la différence. Donc. Les deux émotions sont très proches de genre. Espèce de folie dans les yeux, puis comme. Je t'agrippe, puis on se met à couler. Là, tu sais. La panique dans les yeux encore, fait que genre, c'est dur à dire. Si il était juste en train d'essayer de te
d'essayer de se sauver ou d'essayer de te faire plus dur à toi. Fait que tu fais lever le dos. T'as une façon de l'attraper ou de. Ben, probablement juste comme, mettons. Mettons de même. Tu fais un petit peu plus comme en diagonale, tu swings vers le. Ouais, c'est ça. Ça a un petit peu de sens. Il réussit à s'agripper tant bien que mal. Oui, cette voix-là, le nom de la voix, c'est un fuck. Ouais. F aussi. Nice. Carius, c'est à toi. Il arrive un peu proche de. C'est quoi le radius de ton. C'est 60 de radius. Ok, c'est le... t'as encore du gosse devant. Je me rappelle que c'est 60, je me rappelle jamais si c'est radius 60 ou diamètre 60. Ouais, fait que t'as du gosse encore. Il est encore dans ton ouais, arbre. C'est 120 pieds de casque, puis après ça, t'as 120 pieds de diamètre de forage. Non, tu fais 120 pieds, et après ça, t'as un 60 pieds de rayon. Fait que 120 pieds jusqu'au centre de ton cercle, puis après ça, t'as un 60 pieds de rayon. 180 pieds de range, peut-être. Fait que ça serait à toi. Go for it. Il va jouer son. Je me sens mal pour le travail. Ildrine, donne-moi un dernier athlétique pour remonter le dos sur le bateau. Tu peux le faire avec avantage parce que c'est du monde qui va t'aider. Il est tombé inconscient. Fait que lui est inconscient, l'autre est inconscient, celui que t'as chopé avec Lightning Core, il est agrippé après le poteau. C'est juste. Pitié. Quel ouvrage de la nouvelle.
C'est vrai. Ça a l'air de genre un vrai sérieux, c'est pas si c'est pas. Il y a. Il y a un mix de panique et de. Peut-être, je sais pas c'est qui. Ouais. Fait que, rendu là. Non, c'est ça, lui à ce moment-là, genre, il voit que t'essayes de ramener sur la route, il va courir. Toi? Qui ça? Scarlius, il y a donc sur un milieu à côté de moi, il fait pitié. Moi, il y a. Lui, qui est un. Lui là! Fais pas exprès. Sérieux, c'est genre. Sérieux! À côté de. C'est ça! Du tout! Ah, lui aussi? Ok! Cool! Fait que. Vous avez trois marins sur le pont. Il y en a un qui est en sanglots, puis genre complètement effrayé, celui que Ella a monté. Arrête de pleurer. Ça va se contrôler. Vous en avez deux inconscients qui sont maintenant ligotés, puis celui qu'elle a sorti qui est conscient. Vous pouvez prendre tout ce que vous voulez sur le navire. Peu importe. Pitié, épargnez-moi. Inside jet. Bullshit. Il veut qu'on le tue. C'est ça. C'est ça. Épargner ma vie. Not. Il y a de l'air. Il y a de l'air extrêmement éprouvé. Il y a une lit, j'enlève. Qui est vraiment comme à genoux en train de. Le truc que je me demande, quand je le regarde, je suis comme, ok, t'es vraiment en scrap, mais à quel point t'es comme, ah oh oui, piller notre pont de navire marchand, on est clairement juste des marchands. Genre, à quel point son call, c'est genre, le désespoir de comme un gars qui est comme, ok, genre, on s'est fait attaquer par des pirates, vraiment unlucky, mais genre, le mieux que je peux faire de cette situation-là, c'est faire que ah oh oui, piller notre navire, on est clairement pas lors des ondes. Tu sais, dans quel point ouais, c'est ouais, 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 ouais. Ça a vraiment l'air d'être la peur pour sa vie. En tout cas, il n'y en a rien à chier ce navire-là. Il est genre, prenez ce qu'il dit, il est 100% sincère, il est juste comme prenez ce que vous voulez, mais laissez-moi en vie. Celui-là, c'est Yael Knock down, like, a fight. Lui, il s'est rendu. J'ai pas. Yeah. C'est quand même pas plus normal que rien. Non, mais. Ils sont bien, là, c'est pas tout le monde. Juste que. Dans le milieu d'un fight, le monde qui se sauve, c'est bien plus de troubles de faire. Ah non! Faut être sûr que personne meurt, genre. Non, non, non. Si eux autres réussissent à se sauver. Potentiellement qu'ils avertissent leur boss. Fait que, eux autres qui meurent, eux autres qu'on a réussi à les sauver. On les lève un par un. Ceux qui se battaient contre nous autres, ils avaient juste arrêté de se battre, s'ils voulaient pas. Eux autres qui ont arrêté de se battre, ils se sont rendus, ils sont pas morts. Ceux qui sont sauvés, ils sont morts, c'est un peu qu'elle avance. Je rajouterais à ton insight de 25. Ouais. En voyant sa réaction proche comme ça,
tu as une réflexion sur le combat qui vient de se passer. Tu as vraiment une forte expérience d'entraînement, de soldat, puis tu repenses aux différentes personnes, aux différents matelots. Puis il y en avait clairement sur les navires que c'était des matelots. Genre, ils n'ont pas eu un entraînement martial formel. Ils sauvaient qu'il n'y avait pas la même attitude, parce que on vient de s'arrêter dans des ans. Puis, il y avait clairement une. Il y avait une claire distinction. C'était pas genre, il y a un des deux bateaux que c'est juste des gens entraînés. Il y en avait, tu sais, au travers. Puis il y avait des matelots que c'est vraiment juste des matelots. Que c'est leur stress, c'est leur job. Ouais. Les deux qui sont à droite, qui sont proches des drames, les deux sont inconscients du côté. As-tu l'air des matelots? Si tu veux prendre le temps et genre traverser ton temps, tu peux me faire un. Dépendamment. Là, je te dirais, insight, ce serait dur parce que les deux sont inconscients. Mais si tu veux, tu pourrais les fouiller avec un jeu d'investigation, voir si. Ouais. Je vais pas te faire. Tu sais, il y a pas de stress en ce moment, là. Fait que tu peux prendre ton temps sans problème. tu peux rouler un jet d'investigation. Natural 20? Jet. Ouais. Tu. Yeah! tu commences à fouiller les. Il y a de quoi qui te saute aux yeux vraiment rapidement. En observant, t'as trois personnes. Ella vient de dire, lui, c'est rien. Tu check. Le dos qui sait rien, il y a un paquet de tatouages de matelots, genre des ancres, des oiseaux, des poissons qui font comme le tour de son bras. Les deux autres dudes, aucun tatouage. Les deux autres, ceux qui sont inconscients. Aucun tatouage, à l'exception de à l'intérieur du bras, ici, au niveau du poignet, un sablier. Oh, c'est lui qui a l'air attaché. Oui, il pète des ombres dans la main. Pas avec. Le gars, il est attaché. Ouais, tu viens de la maison? Non, il sort son rapport, moi, t'as pris. C'est quoi ça? Il y a autre chose? Attaché au grand. À part de ça, sur eux, ils ont leur équipement de base. Les deux ont un site peur. Il a de l'air d'être pas mal l'arme que tous les matelots avaient à la ceinture. Ils n'ont pas de l'air d'avoir de documents, rien sur eux autres. Ah, j'y attache de la main, des portes, ici, comme si on voit son. Fait que tu l'attaches dans le fond pour qu'il y ait son bras dans cette position-là, genre. Non. Avec comme une corde ici et une corde là. Pour que ça soit. Okay.
Seb. D'accord, là, il est d'accord, là. Qu'est-ce qui est plus dans ça? Ok. Fait que vous en attachez un sur le bas. L'autre, même chose? Sur la même bas ou sur l'autre? Il okay, laisse son ventre. Ok, hot, hot tie. Ok. Juste le pas. Ok, c'est bon. Je vais juste je vais donner avantage parce que. Parce que tout le monde sait qu'une chasse-garde au salé, c'est pas un bon. Ouais. 22. Ça en est, ma petite ligne. Ouais, ça c'en est un qui a genre plein de plaies décrosées avec des champignons, genre des bagages de ouais, ça va qu'il meurt dessus. Ouais, c'est ça. Les deux en fait, on peut rendre dans le même état-là, les deux on est distrait par le cloud kill. À moins que tu la portes à ta ceinture avec une petite étiquette, l'étiquette marchant encore dessus là. Ouais, fait que celui que Ella jette ce genre de salé en face, il se réveille. Puis tu le stabilises avec ton Cure Wounds. Il y a la plupart des champignons se dissipent. Les plaies sont encore vastement décrosées. Il est vraiment mal en point, mais au moins il n'y a pas activement des champignons qui sont en train de le dévorer dans ce moment. L'articulation au niveau du code. Ça déboîte. Ça arrache pas, mais genre. Un peu matériel. Ouais. Ferme les yeux, puis se met à respirer, puis genre sa respiration devient super lente, super profonde. C'est dit, man. Je viens de lire.
Ah ouais? Ouais, c'est trop cassé. Il garde les yeux fermés, il a de l'air de juste se concentrer sur ses yeux. T'ouvres son œil, puis. Non, mais genre, il a de l'air comme. Même si t'ouvres sa pupille, c'est comme s'il ne voyait pas. Genre, il a de l'air vraiment comme. Méditation profonde. Tu poses ton bras. Ça prend une couple de shots avant que tu réussisses à briser sa concentration. Puis genre, la première fois, c'est comme skip une respiration. La deuxième fois, c'est convulse un petit peu. Puis après ça, il genre, il ouvre les yeux. Nous avons tous les papiers en ordre. Tu portes une cargaison pour Rethlia. Combien de temps le maître sera-t-il avec moi? Ne restez pas dans le premier larme. Il a l'air de refuser de répondre. Again! Do the thing! Je suis un peu plus fort que vous. Tu peux enrouler un ici. L'état de douleur qui est en ce moment. Le fait que il a brisé sa concentration aussi, mettons vous autres, vous trouvez pas que la menace de Hydred est full intense, mais ça a l'air d'aller le chercher quand même. La cargaison était due pour arriver demain, il me semble. Checker c'est quoi la distance qui reste. Dans l'avril. Ouais. Ouais, bah. C'est un peu plus que ça. C'est genre une journée, deux. Dans deux jours. Ouais. Dans 43. Deux jours.
Ben, ça fait du mal. Le chemin fait un gros zigzag de merde pour ça. Fait quoi, il dit. La cargaison est-tu pour arriver dans deux jours? S'il y a un problème ou un délai. L'ordre saura répondre rapidement. Nous sommes supposés rapporter individuellement. Pour confirmer que le voyage s'est bien, que le bien passé. Nous étions six du voyage. Nous s'attendrons à voir six. Nous sommes quand même une bonne quantité postée à Flutterback. Pas impossible que on se connaît pas tous. Pendant que Carmen à préparer les navires pour repartir dans l'Ouest. Ouais. Même chose avec la capitaine. Ouais. Ça prend comme deux ans. Mais mentalement, pour pas que le plus l'entende. Mm-hmm. Les équipages devraient se mettre en mouvement pour réapparer les quatre navires. Ouais. Commencer les réparations. Masque que ça. Okay. C'est le masque rouge que la fille portait. Ok. C'est qui qui a l'autre? Toi qui l'a aussi? J'avais donné soit Ascarius, soit à Aigle, il me semble que c'était Aigle. Ouais. C'était le masque genre 2. Ouais. Okay. Je te l'ai pas vu. Ok. Non, moi je non seulement des marins endurcis. La navigation, c'est pas nécessairement le fort de l'homme. Il faut savoir sous-traiter. De
liste des noms de monde. On a-tu le... Je l'ai le nom de... Attends une minute. Attends, je pense que... je pense que... Ah oui, j'ai son nom, là, c'est-tu. Vous avez déjà vu les 800 morts sans personne. Dans sa tête. Avec une tête face? Non. Non. Dans sa tête, j'ai dit. C'est bien, c'est la tête. Le maître est impliqué personnellement dans l'entraînement de chacun. Pas au complet, mais au moins une partie. Oui, j'ai déjà rencontré le maître. Le maître à la tête de tout. Personne n'oserait passer au-dessus. Il a l'air de le référer comme étant une personne. Fait. Probablement aucune fucking idée. Genre, selon ce que tu sais, Kalumtra, c'est genre une identité cosmique. Il est en train de dire qu'il n'y a personne qui oserait passer au-dessus du maître qui est une personne. Ouais. Fait genre. Probablement. Non, je il y a juste. Comme mais selon ce que je sais, il y a un lien. Quoi? C'est pas clair, hein, selon ce que je sais, c'est pas clair. Le lien que vous avez vu entre les. Le seul lien que vous avez vu entre les deux trucs, c'est qu'il y avait. Ce que vous avez vu à la cathédrale. Il y avait un agent de l'Ordre ouais. des Ombres qui était là. Puis il y avait de l'iconographie de Kalumtra qui était là, dans la cathédrale. Il y a. Le 12 qui a survécu à. La Genèse. Y'a-tu rapport avec les gens? Tu sais pas. C'est pas. En tout cas, le lien n'est pas. Y'a pas quelqu'un avec ça. Ça n'est pas des bonnes questions. Donc, lui, ça a défini que lui, c'est pas un savoir ce qu'il voit. Lui, y'a pas la santé. L'ordre des ombres est aussi politique, genre, l'ordre des si on irait questionner le doute qu'on avait trouvé au fond du temple, j'en on le retrouve, puis je pense que nous donnerait des infos. C'est ça, il y a comme un lien. Attends,
Ça va pas d'y allumer des choses, des arbres blancs, des stèles. Question. À part s'il veut savoir rapide ou lent. Sachez que votre opposition à la grande égalité est vaine. Peu importe ce que vous essayez de faire. Tout s'égalisera à la fin. Je suppose que te laisser en vie est inutile, n'est-ce pas? Si je meurs maintenant, c'est eux. Que j'ai accompli tout ce que j'avais à faire pour la cause. Et si on te laisse en vie, tu n'es pas mieux que toi. Tu vas pas aller. Dans la cause, ça voudra tout simplement dire que j'aurai d'autres choses à faire. Que je n'ai pas accompli mon devoir au complet. Tu peux soit sacrifier lui pour contrer le ciel abyssal, puis je vais lui offrir le même choix. Fait que soit tu choisis tout de suite de le tuer, puis je te laisse en vie, ou tu prends le risque que lui aussi va accepter de te laisser en vie. La chance égale. Ils choisissent pour lui-même. Je vais choisir la mort pour qu'il puisse avoir le choix. J'attends la compte de film. C'est you chose poorly. Poorly. Mal. C'est parce que ça se dit pas. Ouais. C'est un net film, je pense. Pas vraiment, n'est-ce pas? Bon choix. Pas très bon. Je suis intéressé à voir si. Plus d'explication à faire de l'autre.
Ok. To be fair, si l'autre faisait « Ouais, je veux que Mimi meure pour avoir le saut, je l'aurais tué. » Ouais, mais le, je veux juste que je te comprendre. Ouais. Je vais aller faire son boss, mais... Je vais aller faire son boss, tu vois. Pour le tuer, mais... Non, il va en avoir besoin, si tu veux nager. Je suis pas sûr qu'il va essayer de manger. Je peux nager un peu, il peut courir sur l'eau, j'ai vu un gardon des ondes courir sur l'eau. Quand est-ce que t'as vu ça? La dernière fois, quand on manque avec trois ah, ondes, il nous a attaqué l'autre, il s'est poussé en courant sur l'eau. Ouais, mais il peut courir juste à... Prochain round. Sauf dans les airs. Ouais. Qu'est-ce qui t'empêche de prendre la vraie et de commencer à courir sur le ça veut dire. Ça, ce que ça veut dire, c'est qu'à chaque round, t'arrêtes de marcher. Ouais. Fait que tu replaces ton bras qui est vraiment aboché, genre. Ben, il est attaché en plus, fait que genre. Tu sais, essentiellement, là, c'est quelqu'un qui est attaché au mur, pis elle a le tiré sur son coude, genre. Fait que, il y a plein d'affaires déchirées, ça a déboîté, il y a des os qui ont cassé probablement là-dedans, genre, c'est vraiment une fracture nasty. Ça fait une job ish. Ouais. Oh ouais. Genre c'est. Non mais tu sais genre tu replaces puis tu refixes au dessus. C'est Turin qui est vraiment des autres? Non. C'est Turin qui est avec. Ben, en fait, on vient de séparer le fait que l'autre des ondes va rien avoir avec comme une truc, puis les arbres. Peut-être que lui, c'est rien parce que c'est un câble. Amine, on va le ressentir de bord éventuellement. Si on croise une autre. Au moins, la chose possible là-dedans, c'est que les capitaines qui étaient le monde intelligent. C'est, s'ils veulent l'égalité et l'or, Timing, j'en ai pas. On pourrait probablement, je parle de ça de manière civilisée avec le maître des ombres. Ouais, c'est ce qu'on va aller faire. Ben, parce que justement, ils veulent l'ordre et l'égalité. Ça, c'est le chaos d'autres affaires que l'autre. Ouais. On peut nous trouver décrit comme genre l'essence du chaos pur, me semble. Dans genre la feuille que j'ai. Me semble qu'il serait miniaturé. Je soulève ça parce que là, ça fait comme deux fois que vous en parlez. Il n'y a aucun slogan que vous avez entendu de l'Ordre des Ombres qui référait à l'Ordre. À part le fait que ça s'appelle l'Ordre des Ombres, mais genre, vous avez entendu leur slogan qui était égalité, pouvoir, égalité. Unité. Personnellement, moi, je vois ça comme genre. Ben, ça dépend. Techniquement, le chaos universel, c'est égal pour tout aussi. Ça, c'est. Je l'avais marqué pour le monde. Ça, c'est mythe clan. Ouais. Le dieu de la chance. Qui n'est pas un dieu connu par personne.
Voulez-vous la feuille? Je l'ai. D'un examen de nutrition. Ouais. Ce que ça veut dire, là, si l'ordre des ombres n'a pas rapport, ça veut dire qu'elle est là sans le corps. Ouais. Parce que ça veut juste, ça veut dire qu'ils ont juste rapport avec la guerre. Ouais, mais tu dis faire le maître des ombres, peut-être des infos, il en connaît probablement. Mais en même temps, hein? Découvrir ça avec ton mail, car parler diplomatiquement, ça peut régler bien des affaires. Des c'est qui? Avec vos mails. Le dos qui a volé mon cash. L'avatar de la paix, malheureux. C'est qui déjà l'avatar de la paix? C'est la fille qui était. C'est allée, Winter Wallace. Qui est allée attaquer le cas. Est allé le provoquer en duel, mais pour oui, avoir une audience. Voilà, c'est ça. C'était l'avatar de la paix. L'avatar de la paix a rapport avec l'ordre des ombres. Oui. Oui. Ben, en leur fait pas partie, ils ont essayé de la corrompre. Ouais, mais il y a encore. Ils ont encore l'agent, on ne sait pas c'est qui. Ouais. C'est ça, la soeur. On sait que c'est pas Winter parce que Winter a désertéré. Ouais. Ouais. Puis je pense qu'il va être dur à trouver cet agent-là, à moins que genre on ait proche du père. Le contact de Wadeford, il est avec mes parents. Ouais. C'est Roseanne, ouais. Le contact du pape, on sait pas c'est qui. L'avatar de la piste était où? Elle était à Rethlia. Initialement, oui. Ouais, puis elle a fixé son camp pour aller à Bad-Moses. Ce qui est essentiellement ce qui a déclenché la guerre. C'est ça qui a déclenché la guerre ouverte. Où est-ce qu'on en était là? Ok, on a réparé le dos. Ouais. Ouais. Détaché. Ah, attends, le sous-dos. Avant de le détacher, mentalement, Féréos, je dis cache ceci sur lui. Cache ceci sur lui. Et je donne 50 gold. De avec une lettre ~21 pour le sleight of hand de Féléos. Avant qu'on le détache, pendant qu'on le détache. Ouais.
pour que ça me fume. Puis, je me demande. On a-tu une marque du mur? S'ils ont une marque, c'est Ferrero qui la connaît, c'est sûr? Non. Et qui d'autre que je veux mettre dans la marque? On a la marque du Dookie de Furtherback. Bague avec les initiales HJ. Probablement pour. C'est HJ ou HD? HJ. L'autre affaire, le HD c'était un collier. HJ, ça doit être genre il dure. Attends. Non. Ça c'est l'affaire qui avait fait tout. Qui était honnêtement pas voulu. Non, je vais juste retrouver la bague. C'est quoi le nom de Il dure. Ah, il dure. C'est à ce que je Ouais, j'ai juste son prénom. Ildur Sigurd. Fuck! Ok, ben la soirée. Je sais pas c'est quoi cette bague là, je vais pas m'en départir. Je suis pas content. Je vais mettre un talisman de Saturin dans la poche. Okay. Je l'ai plus, je vais prendre une note que. Venu à. Au bout de l'ordre de la maison. On a beau poisonner et s'encaisser, mais c'est probablement le monde de le parlable de genre les trois autres organisations. Ouais. Le murmure, c'est des undead et des mardes. L'autre culte, ils sont pas parlables, dès qu'ils essayent d'y en parler, ils sont là. Oh là, c'est un bougon avec les montagnes, join nous, fuck you. Fait que là, il est détaché avec la bourse. L'ordre des ondes, c'est comme une coquerelle en dessous d'une roche. Genre, tu lèves la roche, elle n'est pas contente de se faire spotter. Hey, ils ont clairement pas. S'il a réalisé que vous y avez mis quoi dessus, il n'a pas fait mine de faire quoi que ce soit. Pour l'ordre des ondes, débattable. Dans ton expérience, beaucoup d'argent. Mais... 50 gold piece, ça achèterait pas mal. Pas mal de secrets de quelqu'un. Ça plus le jeu de la partie de Turin. La partie de Turin. Ça, c'est juste pour dire qu'il a été acheté par le culte de Turin. Ouais, chez Man. Ça vaut de l'argent aussi, on va se quitter. Je dis pas, je suis pas en train de metagamer, c'est juste me dis in-game, parce qu'elle a ça vient comme. Parce que moi, j'ai de la misère à estimer que ce qui est un bribe ouais. normal. In-game, sûrement que le personnage sera là. Hein.
50 gold piece pour le niveau de show, ben, pour la quantité de secrets qu'il vous a donné, ça serait genre quelqu'un qui aurait un faible, relativement faible désir de protéger, genre. Ouais, considérant que comme ça serait possible, mais ça comme ça indiquerait donc, que le dos il était relativement facile à acheter pour ce qu'il a révélé. Mettons, 100, c'est comme juste... 100, ça serait genre... Il y a bien du monde qui... Il est assez facile pour que ce soit comme la, ce soit de la merde, mais c'est un niveau comme ouais. Réaliste. Ça, comme ça, mettons là, ça indiquerait quand même qu'il a flanché. Ouais. Okay, mais comme il y a quand même pas mal de monde qui flancherait pour ça d'autres. OK. Mais il détache. Ouais. On va partir quand c'est le jour. On va juste le voir en train de faire bille là dans une ruelle. Ouais. Vous jettez des regards un peu suspicieux. Puis ils se dirigent vers le la proue ben, du côté tribord. Puis, vous jettez un dernier regard. Il va sauter à l'eau. Il va prendre sa chance. Je voulais l'arrêter, mais dès le dernier regard, il était déjà trop long. God damn it! On pourrait partir une petite chaloupe avec Diablo pour genre le map de bon. Lui, il a rien demandé, il faisait sa job. Le problème, c'est que techniquement, hein, on a attaqué, on a tué tout le monde qui était juste un équipage de further back. On peut pas vraiment laisser tout témoigner. Tu es-tu en vie? Ben, il vous a dit qu'il y avait 6 agents de l'ordre des ombres séparés dans les deux bateaux. Ouais. Je peux lui donner 25 pièces d'or pour faire ma gueule. Vous pouvez en déduire que le reste des gens, c'était des matelots. Ouais, faut pas laisser de témoin de further back. Non, juste parce que ça va nous mettre dans la merde. Ben, on peut probablement le driver pour genre qu'il dise que c'était des pirates random ou genre que c'était. Ben, il sait pas on est qui, on a pas dit mon nom. Ouais. En fait, j'ai dit beau nom. Mais genre plus. Mais plus une question d'histoire que genre, il donne des fausses descriptions. Curious. Anyway, ça va y mettre des jours, revenir un peu de back s'il va en chaloupe. C'est Scarius, mais pas écrit pareil. C'est Scarius, deux S-E à la fin. Il drite pas de H au début. C'est ça nos gros gars. Elle a pas de pas de or au début. Pas les E qui a détaché. C'est A-L-A. C'est A-L-A, mais pas écrit en R. Je me plierai à la décision du groupe. Tu dois être capable de convaincre. On pourrait essayer de l'acheter pour qu'il dise que ce soit du monde d'une organisation appelée soit le Murmur ou les fanatiques. Il était conscient en ce moment, le Murmur. Pour qu'il dise que genre, soit c'est des tableaux qui est du Murmur ou pas du tout. Les perdus légers sont semi-connus. Là, en ce moment, ils sont en train de réparer les deux bateaux pour les remettre en ordre pour au moins être capable de les faire naviguer. Ça a l'air d'être des navigateurs légendaires.
que je me dis qu'il y a des chances que, parce qu'on se fait attaquer par les gardiens des jeux. Quand même, tu sais, c'est des. De ce que vous les. Tu sais, la façon que vous les avez connus, là, c'est genre des navigateurs qui sont. Genre, ils chevauchent un peu la limite entre pirates et genre explorateurs, mettons, là. Ouais. Puis, ils sont pas employés par. Tu vois, des employés officiels de la Lembergia. Sauf que. Mais leur port d'attache, c'est pas mal à quarterback. Fait. Il y a bien des chances. Puis, tu sais, vous avez passé une couple de soirées avec eux autres dans les tavernes. Il y a du monde qui les reconnaît. Fait que, tu sais, ils sont quand même connus. Je dirais pas que c'est des célébrités, là, genre au travers de la ville au complet, que tout le monde les connaît. Mais genre le bon, au moins le monde des docks, là, ils ont déjà vu passer une couple de fois. Fait, depuis que cette humain est parti, les perviers chez leur manque un matin. C'est ça que j'allais dire, j'allais au même endroit. C'est comme. On peut le réveiller. Une autre baguette. Je le gosse d'en face avec une moque. 15. Il est pas à l'article de la mort, lui, là. Il était en pleine forme avant que tu le sortes de l'eau. Fait que genre, c'est vrai qu'on amène quand même correct. Blanche pour proposer ça aussi. Faut que je fasse ouais, tu vas être avec. Parce que, anyway, les perviers légers sont connus pour genre récupérer des pirates du monde qui sont à dérive au milieu de l'océan ou un peu partout. Ouais, mais là, ils ont tué deux, ils ont détruit l'équipage de deux navires à l'Embergia. Ouais, mais l'excuse du gars, c'est qu'on s'est fait attaquer par des pirates, puis le perrier logé est arrivé pas longtemps après, puis ils m'ont récupéré. Ils m'ont repêché, puis je vais passer le message. C'est pas vrai, mais il faut quand même dire ça, d'où. Si jamais il y a à être questionné. Non. L'affaire la plus simple, c'est qu'il travaille pour les perriers légers. Justement, c'est ça. Mais genre, si, quand il y a un beau doc à feu de bac, c'est un doute, fait, hey, tu travailles pas sur ces bateaux-là. À ce point-là. Il va s'inventer une excuse, Madame Blanche va genre le plus. Oui, oui. Là, c'est bien plus safe. Là. La partie qui est moins safe, c'est si on fait comme 20 là, genre 10 pièces d'or pour qu'on retrouve mon grand retour chez lui. Ça, c'est pas safe. C'est bonne ça, chance. Clairement, genre, oui. Ouais, il va prendre les 10 pièces d'or et il va snitch. Il y a pas de chaser. Le back, c'est son chez lui. C'est un marin d'emploi, il y a probablement une maison, puis genre, ou en tout cas un logement. Là. On l'amène voir Madame Blanche. Il voit Madame Blanche, puis il est juste comme, oh pitié, pitié. Oh non. Oh non. Laissez-moi en vie. Je ne peux rien vous apporter davantage. Il nous est apparu que vous étiez en criant besoin d'un nouvel emploi. Si je peux m'en sortir en vie, n'importe quoi. Alors, ouais. On va dramatiser. Vous êtes en vie, vous êtes. Vous méritez de rester en vie. Les forces sont encore en vie. Il y a l'air de se détendre un petit peu. Par contre, ce qu'on ne peut pas faire, c'est de vous rendre chez vous. Il y a un arrangement qui pourra bénéficier tout le monde. Je suis à votre service. Nous avons besoin de personnes pour manœuvrer les navires. Et il y a justement une ouverture sur l'équipage qui nous accompagne.
Et il me semble que vous êtes justement à la recherche d'un nouvel emploi. Oui, absolument. Ce sera un plaisir de naviguer encore avec vous. Pas bon, encore. Pas comme s'il y avait navigué avec Madame Blanche ou vous autres. Quelle est l'opinion de Madame Blanche là-dessus? Un petit jeune, il y a plein d'énergie. On verra bien ce qu'il vaut rendu à Bertam. Après ça, il va faire ses preuves. On est ouvert. Félicitations, jeune homme, tu es engagé. Il y a de l'air vraiment confus-ish. Il a clairement jamais entendu de pirates qui piratent la cargaison et qui vont la livrer après. Mais les pirates qui prennent des membres d'équipage, c'est quand même une affaire fréquente. Ouais. Allez, monte un peu de respect envers ton capitaine. Madame? Il se redresse un petit peu et essaie d'avoir de l'air un peu plus présentable. J'attends vos directions. Ah, ben! Je peux commencer par t'affairer. Je suis en train de nettoyer tout ça. Là. Ah ouais! Et bon. Prends celle d'Ildred, là. Non, pas maman. C'est bon de la rage, mais j'ai plus de points de rage. Juste fâché. J'ai quand même 18 de strength. Je brise son bras en deux. J'ai une attaque sur Ildred. Non! Ah! Lâche la main. Fait que, commence à. Il prend note un petit peu ce que l'équipage est en train de faire, puis. S'il s'inclut dans les efforts pour rétablir le navire. Ça va être plus de oui. Maintenant que vous avez adopté ce NPC-là. Que j'ai clairement nommé tantôt Alphonse Graton. Mais ça peut être d'autres choses, parce que c'était juste comme. C'était le gag de Alphonse Graton, viens sur le bateau tout de suite. Ouais, Madame Blanche qui dit ça. Ouais, c'est ça. Pas l'un qui va s'appeler Alphonse Graton malgré lui. Il y a probablement un autre nom. Il y a personne qui va le savoir jamais. Fait que vous, les équipages des deux navires, le Point du Grand-Père et l'Épervier Léger, s'affaire pour remettre en état les deux navires. Fait que les deux navires, celui qui était à gauche initialement s'appelle l'Ouragan, puis celui qui est à droite s'appelle l'Esprit du Vent. Les deux, les coques, vous avez réussi à ne pas endommager les coques. Par contre, les mâts et les voiles ont été lourdement endommagés des deux côtés. Puis il y a un des deux navires que le gouverneur a été complètement détruit. Fait que... Là, dépendamment de comment vous voulez procéder, vous vous trouvez quand même devant une situation un petit peu complexe où est-ce que vous savez que la cargaison est due pour dans 2 jours.
les réparations vont vous prendre du temps. Fait que vous êtes pas mal garanti d'arriver en retard pour la livraison. On peut-tu remorquer les navires pendant qu'on les répare? Oui. Ça va accélérer la chose. Puis on va focusser ma ligne sur le gouvernail, puis on va essayer de juste les voir. On peut faire des. On doit avoir du spare pour faire des voies. Oui. Je vais essayer de mettre le gouvernail qui est pété. OK. À répétition, jusqu'à ce que ce soit fonctionnel. Ça devrait pas être si long, parce que c'est comme... C'est pas si gros que ça, là. C'est genre ça de gros par casque, puis ça prend 6 secondes de la chute. Mm-hmm. Mon idée, moi, ça va être en couleur qu'on part avec moi. Fait que, plan depuis le début, j'étais comme, on s'est fait attaquer par des pirates. Fait que, on s'est fait attaquer par des pirates, l'équipage des deux navires est mort. Ouais. Vous êtes qui, vous, bon? On a coulé juste un des navires. On les a coulés, les pirates, mais ils ont été dans un navire. Ouais. Fait que, dans le fond, la décision que vous avez à prendre, essentiellement, c'est est-ce qu'on prend plus de temps pour faire en sorte que les réparations vont être encore plus stick and fan? Ou, puis on relève un petit peu plus de suspicion parce qu'on arrive encore plus en retard? Ou est-ce qu'on fait les réparations un petit peu plus rapidement que ça va être fonctionnel? Mais s'il y a quelqu'un qui prend vraiment le temps d'inspecter les navires, ils vont se rendre compte qu'il y a du dommage. Qu'il y a des dommages qui ont été faits. On va pas payer d'excuses. Ils nous ont donné des bateaux cheap. Je vous laisse la décision, mais essentiellement, vous avez ça comme situation. Le remorquage va accélérer la chose. Fait que même si vous prenez un petit peu plus de temps, ça sera... Dans le fond, si vous n'aviez pas remorqué les navires, il aurait fallu complètement attendre pendant une ou deux journées pour faire les réparations. Une journée pour faire les réparations rapides, ce qui vous donnerait une journée de retard, ou deux journées complètes de réparation. Là, vous arrivez deux jours complètement en retard. Là, le fait que vous allez remorquer, mending, ça va accélérer les choses aussi. Avec des réparations rapides, vous allez être relativement à l'heure. Ce qui est mieux parce que... Vous allez arriver comme, mettons, à la place de 48 heures, deux jours pile, vous allez arriver peut-être 50 heures. 5-10 heures en retard, là, peut-être gros max, juste parce que remorquer, ça prend plus de temps que juste voguer normalement. Puis si vous voulez prendre vraiment le temps, que ça soit stick and span, que ça soit très difficile à remarquer que le bateau a été endommagé, là, ça va prendre plus une journée au complet. Là, vous allez arriver 24 heures en retard. Mais mettons qu'on fait les réparations pour qu'il soit navigable, puis qu'on continue à les réparer stick and span, ça prend deux jours. Ouais, il y a certaines choses que ça va être relativement, tu sais, ça serait plus difficile de le réparer en voguant parce que il y a de l'équipage qui va être affairé à naviguer et qui va avoir moins de monde qui va être appelé aux réparations. L'option rapide avec le remorquage parce que l'autre a dit genre au moindre retard sont rapides en tabarnak, ça gâchette. Ouais, ça je me dis aussi. Je veux dire, de toute façon, s'ils sont alertés, ils vont faire quoi? On a quand même leur carte. Non, la pire affaire, c'est qu'ils vont. C'est, ce que moi je pense qui va arriver, c'est ça qui m'inquiète, là, c'est qu'ils vont inspecter le navire pas avec la maître des gens. Ouais. Fait que comme. Là, on peut dire genre, Further Back nous a donné des bateaux cheap,
la cargaison était urgente, parce qu'on n'a pas pris le temps. Le plus, moi, ce que je pense qu'on devrait réparer en dernier, c'est les marques des clairs. Ouais. C'est-à-dire qu'on s'est juste fait frapper par la foudre et que ça a brûlé nos vagues, nos voiles. C'est comme plus on facile. Tout le reste, c'est plus facile de bullshitter aussi Oh, ouais, c'est ça. On a quelqu'un pour bullshitter. On fait exprès, genre, je fais un backflip, tu me tires le rebord, puis tu me donnes l'avantage à faire. Dumb. Ou, tu sais, alternativement, vous pourriez juste faire Enhance Ability Charisma sur votre dude avant qu'il aille parler. Ouais, ben, tu sais, Mathieu va rouler 3-4. Ouais. Avantage, sur 2D, il va rouler 3x4. Pogner mon masque et leur crisser dans le backpack avant qu'on arrive, juste pour être sûr. Oh. S'ils ont l'info, ouais, que ces deux amis-là sont morts, puis que Charles Jarve avec le masque pour faire. Ouais, la bébé. Puis il n'est pas mort? Oui. Non! C'est quoi ton nom? Ben, je pense que ça, on va faire les réparations. Le but, c'est d'aller le plus vite possible. Puis ouais. Les dernières affaires qu'on répare, c'est ce qui a l'air du dégât naturel. Genre, la foudre a frappé le mât. C'est ça notre cover story, ça arrive en mer, ça a brûlé les voiles. Puis on arrive le plus tôt possible. Yeah. Good. Puis rendu proche du quai, on remplace les deux équipages par. En fait, on peut pas vraiment les remplacer. Il y avait beaucoup de monde, hein? Ouais. Il me semble que si on en bat 2-2. Les Kinux auraient été utiles, là. Ils sont juste. Ils sont plusieurs. Ouais. Il faut qu'on soit 6 à reporter en étant hors des zones, techniquement. Ce qui fait qu'il faut qu'on se trouve 2-2. Y'a-tu des cadavres encore? On a été démasqués. On est hors des zones, on a été démasqués, on a tué l'équipage. Bon point. Puis il y en a deux dans nous qui sont morts sans faire exprès. Le capitaine voulait changer de cap. On a jugé. En fait, ouais. Le capitaine. À cause d'y attendre, il voulait changer de cap. Le capitaine, il voulait pas. Il voulait prendre le temps de réparer le navire à cause de la foudre. Puis on voulait pas arriver en retard. Fait qu'on a été obligé de le jeter à bord par-dessus bord. Ouais, puis l'équipage l'a pas payé. Il y a deux qui sont morts. Puis au cas où que ce soit. Puis au cas où que soit la ville qui vienne nous inspecter, on a pitché le corps par-dessus bord. Ils savent pas, eux autres, qu'il est censé avoir 20 membres d'équipage. Ouais. Si vous êtes bon, on pourrait finir là-dessus. Laissez le temps peut-être justement de préparer un peu votre histoire, votre bluff. Eldritch Blast. Eldritch Blast. Je l'ai pas. Est-ce que je crois au On va finir là-dessus. Puis on va se revoir dans deux semaines. Si on revient aux deux semaines. Je vais refaire, comme Mathieu n'est pas là, je vais refaire le call sur Discord. Mais si tout le monde est correct, moi je reviendrai aux deux semaines. C'est vrai, je vais caller un peu dans deux semaines, à moins que vous préfériez un autre moment. Dom. Scarius et Ella. Et Ildred. Good. On va se. Les monks, c'est de la merde! Non, c'est tellement cassé, ça te stonne là. Non, mais je ne sais pas ce que je sais que ça t'écœure. Ça m'écœure pas tant que ça. Genre. Le truc qui m'énerve, c'est que cet argument-là, on dit. Parce que c'est ça que je trouve weird, c'est qu'on dirait que dans la tête de certaines personnes, c'est cassé pour vrai.